Est-ce que tu vas dire à Ivan ce que t'as proposé Mike? Bien sûr, il le faut, chérie. Ah bon, et pourquoi? Si c'est pour jeter de l'huile sur le feu, ce n'est pas la peine. En fait, oui. Je vais oublier tout ce qu'a dit le type et je vais faire comme si de rien n'était, c'est tout. Non. Il ne s'agit pas d'en parler ou pas à Ivan. Il s'agit que tu formes ton propre orchestre. Pour ça, oui, je suis d'accord avec Mike. Parce que toi, tu n'as eu aucune reconnaissance à suivre les pas d'Ivan. Et le moment est venu pour le monde de connaître Amadeo Lopez. Attends. Moi, je suis derrière personne. Tu comprends? Et ce serait d'une déloyauté gigantesque envers mes camarades. En plus, il me faudrait recommencer à zéro, ma chérie. Tu vois, préparer un répertoire, trouver des nouveaux musiciens. Et ça, tu vois, c'est déjà énorme. Surtout que j'avais déjà gagné pas mal de terrain en bossant avant. Tu comprends? Il me reste beaucoup à faire. Ce qu'il faut avant tout, c'est que je chante plus. Qu'on me remarque plus, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mmh. Et rester dans l'ombre d'Ivan. Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit l'ombre d'Ivan. Je suis dans l'ombre de personne. Si tu l'es. On se met en place, allez, on y va, c'est parti, là. Ah, non. Et alors, les enfants? Tout va bien? Ça a l'air? Ok, on s'installe. J'arrive dans une minute. Ça va bien, Amadeo? Dis-moi, allez, tu peux bien m'aider avec ces paroles? Je lui ai écrit une chanson à Adela, en fait. J'avais un brouillon de lettres, et là, il faut vraiment que tu m'aides. Mais j'ai l'impression d'avoir fait une erreur dans tout ça. En fait, c'est une chanson tendre. Viens, Lila, viens la lire avec moi. Je regarde. En fait, j'avais le refrain, mais j'ai un doute sur les couplets. Non. Monsieur Abelardo, attendez. Arrêtez. Arrêtez. Non, ça ne me plaît pas la chorégraphie comme ça. Comment ça? Pourquoi pas? Monsieur Abelardo, rappelez-vous de ce qu'a dit Léonore. Il faut qu'on fasse une fusion, non? Un mélange entre le classique et la salsa. Mais qu'est-ce qu'on voit là? De vulgaires pas de salsa sans intérêt. Non, il faut profiter beaucoup plus que ça des musiciens, des instruments, monsieur Abelardo. N'allons pas dans la simplicité. Soyons créatifs, je ne sais pas. Quelque chose qui se rapproche de la danse classique. Ah, tu veux parler comme d'un ballet, c'est bien ça? Toulois. Hein? C'est bien dit, Amparo. Ballet, sérieusement, faisons un ballet. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'elles entrent en premier en faisant des petits pas de ballet, non? Non, ça me plaît pas, moi, ça. Et pourquoi parce pas? Parce que ça va pas le faire comme et ça. Essayons pour voir, essayons, on verra bien. Essayons. Mais attends, tu ne viens pas d'Europe? Propose quelque chose. Et tu crois que je sais pas danser ou quoi? Eh ben, je vais te montrer. Attends et tu vas voir. Allons-y, les enfants. Monsieur Abelardo, il faut que je lui montre à qui il a affaire. Allez les enfants, 1, 2, 3, 4. T'as vu comme elle est belle? Attends, non mais Yas, non. C'est pas un ballet, ça, mon frère, hein? Alors quoi? Ça, c'est pas un ballet, vous savez quoi? Vous voyez, monsieur Abelardo, trouvons des danseuses de ballet et apprenons-leur à danser la salsa. Comment? Ah, d'accord, et en même temps nous faire sortir quoi du spectacle aussi, non? C'est ça ta brillante idée? Écoutez, si vous n'êtes pas à la hauteur, j'y suis pour rien. Mais toi, tu te prends pour qui pour nous parler sur ce ton, dis-moi? Oh, Alexio Mara, calme-toi. Non mais faut être sérieux aussi, là. Il y a une danseuse qui sera à la hauteur. Tout ce qu'on peut faire, c'est danser la salsa. Écoute-moi un peu. Tu sais qu'à un moment, je pensais que je n'allais jamais connaître Leonella. Mais je crois que j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'amour que je te porte et le besoin immense que je ressens et la joie de voir grandir ma fille.
Et aussi grâce à toutes mes prières et au sang que t'as donné, Ivan. Tu vois, ce garçon est un ange. Et maintenant, je sais que nous avons le même type de sang. Je sens tellement que c'est mon petit-fils et qu'il est apparu dans nos vies comme une véritable bénédiction. Tu entends ce que je veux dire ? Je sais que c'est une bénédiction. Et c'est pour ça que, tu sais, mon chéri, ce garçon mérite d'être heureux. On devrait l'aider à trouver une femme dont il tombe amoureux. Comment, nous ? Qui ? Comment ? Et avec Rosario, pourquoi pas ? Rosario ? Oui, évidemment. Je suis sûre qu'ils se plaisent. Qu'il y a, c'est qu'ils sont idiots. Aucun des deux ne veut faire le premier pas. Pourquoi on ne leur donnerait pas un petit coup de main et peut-être qu'ils se marieraient et qu'ils auraient des bébés aussi adorables que Leonella ? Comme Leonella, impossible. C'est l'heure de vos médicaments, Monsieur Jordan. Ah, tu m'imagines avec une fille et des arrière-petits-enfants, tu imagines ? Allez, viens, ma chérie. Des jouets ? Non. Non, ça c'est toujours la même chose. Je suis sûr que les parents vont la couvrir de jouets. Moi, en fait, j'aimerais plutôt un joli vêtement comme celui-là. Comment tu le trouves ? Quoi ? Il te plaît pas ? Non, non. Bien au contraire, il est magnifique. Ah bon, et alors ? Pourquoi ça t'a fait rire ? Parce que tu es... Tu es si tendre, si doux. Ivancho, tu vois des choses qu'aucun autre homme ne pourrait voir. Tu as un cœur énorme, unique. Tu sais quoi ? Si un jour je devais avoir un enfant, sait-on jamais, j'aimerais que ce soit avec toi. Tu sais, ça me touche vraiment ce que tu dis. Parce que tu me connais et tu sais que j'ai rien d'un saint et qu'en fait j'ai des milliers de défauts, mais ça montre que t'es la meilleure amie qu'on puisse avoir, en fait. C'est vrai. Et toi, Ivancho, si tu devais avoir des enfants, avec qui ça serait ? Rosario. Tu voudrais avoir des enfants avec Rosario ? Non, c'est que... Bonjour. Vous aussi, vous cherchez un cadeau pour Leonella ? Ouais, regarde, ce joli vêtement qu'on vient de trouver, justement. Oui, il est magnifique. Mais on voit bien que c'est Marisol qui l'a choisi, parce que les hommes n'ont aucun goût pour ce genre de choses. Eh ben, tu te trompes, parce que cette fois, c'est Ivancho qui l'a choisi. Ah bon, pour de vrai ? Bon, alors je te félicite. Tu es un homme qui a très bon goût, Ivan. Comment ça va ? Bon, maintenant que vous avez trouvé votre cadeau, vous pouvez m'aider à en trouver un pour Leonella. Désolée, allez-y, vous. J'ai beaucoup de travail au restaurant. À plus tard. Au revoir. Bon, alors, tu veux bien m'aider ? Ouais, bien sûr. Par où tu veux commencer ? Celui-là est très mignon. Ouais, c'est que... Parce que, selon Abelardo, ce que Madame Eder et surtout le maire veulent, c'est qu'on fusionne un petit peu la salsa avec le classique. Oui, mais pas seulement dans la musique, mais aussi dans les chorégraphies. C'est pour ça que j'ai besoin qu'on y mette un petit peu de ballet. C'est pas vrai, Monsieur Abelardo ? Oui, bien sûr. Et je suis convaincue que vous pouvez le faire très bien. Non, je suis vraiment désolée pour vous. Mais bon, pour faire quelques pas de ballet classique, et encore très moyennement acceptable, ça demande de nombreuses années de travail. Ça demande d'avoir étudié ça depuis son plus jeune âge, vous le savez oui, parfaitement. Oui, je sais. Et nous ne sommes plus des bébés. Regardez, Madame Amparito, même en répétant 20 heures par jour, c'est évident qu'on n'y parviendra pas. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'avec cette proposition, de manière dissimulée, tu es en train de nous mettre à l'écart du projet. Et comme je ne suis pas du genre à me mettre à genoux et qu'on ne tient pas à s'imposer là où on ne veut pas de nous, alors au revoir, hein, on s'en va. Bon, allez, moi je m'en vais. Bonne chance avec toi. Yomara, ma fille. Bien sûr que non, on ne veut pas te chasser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on doit absolument trouver un accord. Ah non, maman. Merci beaucoup, mais non. Au revoir. Excusez-moi, Madame Amparito. Au revoir. Bon, Abelardo, vous le constatez par vous-même, j'ai fait ce que j'ai pu. Nous autres, on pourrait peut-être les remplacer. Oui. On a tout le temps du monde pour prendre tous les cours de danse qui seront vraiment nécessaires pour être à la hauteur du ballet, des artistes. Ça va pas être possible. Abelito. Attends un moment, ne sois pas si têtu. Viens, Xomara, il faut que je te dise quelque chose, oui. Alors parle, maman. Regarde, moi aussi, je pense que Mulatto a un peu exagéré sur la question de la danse classique et tout ça. Mais je pense aussi que ce qu'il veut, c'est que ce soit comme un peu plus stylisé. Ce n'est pas un problème, ma chérie, vous organisez ça entre vous. Non, chère madame. Je vais vous dire la vérité. Ce qui se passe, c'est que Mulatto a inventé toute cette histoire. Parce que Xiomara et Magali sont venues danser avec moi. Bien sûr, et comme il est mangé par la jalousie, il veut nous virer du spectacle à tout prix. Voilà, madame, c'est tout. Taxi !
Non, mais ça me semble un plan bien machiavélique et tordu, enfin. Oh, Madame Amparito, mais c'est comme ça qu'il est, le mulatto. Machiavélique et tordu. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Depuis que je connais ce type, il utilise exactement les mêmes techniques pour se débarrasser de toutes les danseuses qu'il gêne. Ne comptez pas sur moi, oubliez. Taxi ! Oh, non. Allez, maman, tu as entendu, hein ? N'insiste plus, d'accord ? Je suis désolée pour vous, allez, Madame Amparito. Alors donne-moi un petit coup de main, d'accord, ma chérie ? Et alors, papa, comment ça va ? Bien, très bien, tu sais. Tellement heureux d'avoir pu connaître Leonella. Parce que j'ai fait l'estocade à la mort, vois-tu ? Comme un bon torero, non ? Parce que, en vérité, je suis content que tu continues à diriger la raffinerie. Mais tu vois, papa, écoute, j'y ai bien réfléchi et ce sera pour peu de temps. Mais ne t'en fais pas et ne t'en fais surtout pas. Je suis déjà à la recherche de la personne adéquate pour pouvoir faire face à ce taureau-là, qui puisse enfin gérer tout ça. Luzma, je m'entends super bien avec Ivan, mais non, je ne le vois pas comme ça, comme un homme. J'ai plutôt de la tendresse pour lui. Je sais pas, comme s'il était mon petit frère. Oui, bien sûr. Alors c'est une tendresse bien incestueuse, parce qu'avec ta façon de le regarder, avec envie, avec un... Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Pourquoi tu nies l'évidence, Rosario ? Dis-moi la vérité pour Ivan, il te plaît ? Tu vois, tu n'es même pas capable de dire qu'il ne te plaît pas. Il te plaît, tu lui plais, alors vous feriez un couple parfait et en plus, il est génial. Comment ne pourrait-il pas te plaire ? Il est parfait, mignon, beau, et ce sourire, cette bouche, ce nez. Il est généreux, il est travailleur, il a bon cœur, et comme métis, ma chérie, il doit être super doué. Luzma, arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. Super doué pour danser ? Qu'est-ce ah, que t'imagines ? Ah oui, bien sûr. Oui, arrête, arrête de faire ton innocente. Sérieusement, Rosario. Vous feriez un couple parfait. Laisse tes préjugés de côté, arrête ces bêtises. Mais enfin, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu tiens autant à ce qu'on soit ensemble ? En fait, parce que je pense que vous pouvez beaucoup aider le tigre. Quand il est fatigué. Fatigué de quoi ? Eh bien, de travailler à la raffinerie. Non, ça fait longtemps que je suis fatiguée. Oui, mais moi non. Alors je m'en vais parce que j'ai beaucoup de travail en retard. Et le pauvre Elissaire va finir par penser que je l'exploite. Ah, tu sais quoi, moi aussi je te laisse. Je vais aller me changer et je pars travailler. Et alors, c'est vrai ce qu'on m'a raconté ? Tu restes vivre chez les Quignones ? Oui, bien sûr. Tu es fou ou quoi ? Non, bien sûr que non. Non, écoutez bien, c'est comme je t'ai dit, c'est le prix à payer pour toutes mes erreurs, tu vois. Hein ? Mais non, en tout cas, je suis bien là. C'est temporaire le temps que mon appartement soit disponible. C'est bien alors. Salut. Est-ce qu'elle dort ? Salut. Oui, profondément. Ciao. Salut. Ciao. Tu n'as pas à mélanger ta vie professionnelle avec ta vie privée, parce que ça va nous mener nulle part. Madame Amparo, je suis désolée, mais je pense que c'est le contraire. Mais oui, c'est eux qui mélangent les choses, enfin. Mais si vous pensez que tout ça, c'est de ma faute, eh bien je m'en vais et l'affaire est réglée. Non, n'exagère pas non plus, mulatto. Mais si en vérité tu penses que tu es le meilleur chorégraphe de Cali, comme tu le dis, eh bien démontre-le. Parle avec eux et solutionne les problèmes. Tout rentrera en ordre et puis c'est tout. T'as pas intérêt à nous décevoir et ne pars pas si vite. Eh bien, Ivan, ces fleurs si jolies, elles sont pour Luzma ? Non. Elles sont pour toi. Pour moi ? Ouais, pour rester avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour en avoir fait autant pour l'orchestre. Merci. Allons-y. Xiomara, ne t'en va pas. Il faut que j'y aille, Magali. S'il te plaît. Et où tu vas aller, hein ? Eh bien, en fait, je sais pas, mais je ne veux pas rester ici voir les allées et venues de toutes tes conquêtes. Et encore moins si c'est mulatto, ça, c'est pas possible, non ? Écoute, si c'est pour ce qui s'est passé, je te demande pardon. Ça ne se reproduira plus. Et si c'est pour mulatto, ne t'inquiète pas. Je te promets que je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est jeté sur moi, il m'a coincé, il m'a pratiquement obligé, Xiomi.
tu veux, je te le laisse. Non, chérie. Il se peut que tu te sois réveillée, mais tu peux retourner te coucher, il ne m'intéresse plus du tout. Allez, on fait un accord. Un marché. Aucune de nous deux ne doit coucher à nouveau avec Mulatto, parce qu'il est menteur et cynique. Parce que c'est un coureur de jupons, un requin, un sale hypocrite, un infidèle, un sale type. Accord conclu ou pas? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dini et Stefano, voyons. Vous êtes comme le phrasé est plus... comme plus saccadé, ok? C'est plus piqué, ouais, plus bref. D'accord, non, d'accord, oui, j'ai compris. Il faut que vous accentuez plus. Comme on fait la même chose ensemble, il faut bien accentuer en rythme. Exactement. Pour que ça sonne bien. Allez, on y va, on y va. Allez, 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 on y va, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Así porque sí, como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Luzma, on est revenu parce qu'on a acheté un cadeau à ta fille. Non, c'est pas vrai, c'est Ivan tout seul. Ah, trop mignon, mais fallait vraiment pas t'embêter. Non, ça me fait plaisir. Ah, mais c'est quoi cette merveille? Ouais, c'est mignon. Oh, regarde Léonella, ma chérie, est-ce que t'as apporté ton neveu? Neveu? Comment ça? Et... en fait, comme tu fais partie de la famille, non? Alors, eh bien, t'es le neveu, cousin, tonton, tout ça. Ah oui, et maintenant, après la transfusion, même encore plus. Sang de ton sang. Bien sûr, 100%. Bon, allez, on y va. Bon, allez. Encore merci beaucoup, Ivan. Non, avec plaisir. El que regala y quita. Moi, je m'en fous de Gruppo Nietzsche. Pour moi, ça, c'est du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'orchestre d'Amadeo Lopez. Ça vous intéresse ou pas? Ah, mon beau papillon. Bonjour. Bonjour, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'apporter ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, devine. Des chocolats? Des chocolats. Est-ce que tu aimes? Oui, j'adore. Eh ben, très bien. Super. Mais toi, pourquoi tu m'offres des chocolats? Eh bien, par amitié, rien de plus. Par amitié? Oui. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Bon, bien sûr, je ne vais pas nier que tu m'enchantes, que tu me fascines, que tu me fais penser à un petit chocolat. Et alors, je ne sais pas, peut-être qu'en offrant des douceurs à ce si joli cœur, peut-être un jour j'arriverai à séduire ce petit papillon. En vérité, j'en doute. Mais t'en fais pas. Continue d'essayer parce que, oui, ça me plaît de recevoir du chocolat. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais... faire en sorte que chaque jour, tu sois couverte de chocolat. Et tu vas où? Je vais au bar. On doit répéter. Bien. Je t'accompagne alors, je dois vous parler à tous. Allons-y. Suis-moi. Tu veux un chocolat? D'accord. Si tu partages avec moi. Tu vas dire que tu veux entendre la chanson Anna Millet de Gruppo Nietzsche. Qu'est-ce que tu dois dire? Bonsoir, je voudrais écouter la chanson Anna Millet des Gruppo Nietzsche. Voilà. N'insistez plus, je vous ai déjà dit que je ne pouvais plus passer ce disque parce qu'il est rayé. Est-ce que j'ai été clair ou pas? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon, qui est à l'appareil? C'est Yeni. Yeni, mon amour.
Désolé, pardonne-moi, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Non, vraiment, pardonne-moi, je suis désolé. Ce qu'il y a, c'est que Défi n'arrête pas de m'appeler pour me faire des blagues et ça me tape sur les nerfs, tu vois. Ah bon, d'accord, bah si tu veux, Mike, on se parle plus tard. Non, je suis disponible, dis-moi. Écoute, Mike, ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait savoir ce que tu comptes offrir à l'orchestre exactement. C'est toi ou bien est-ce que c'est lui qui voudrait savoir exactement? Les deux, bien entendu. En fait, c'est lui qui m'a demandé de t'appeler parce qu'en ce moment, il est en train de répéter. Bon, en fait, si tu veux, viens. Viens donc à la radio. Maintenant? Non, demain, bien sûr. En fait, c'est que j'ai un truc à terminer ici, mais j'essaie de venir dès que possible. Est-ce que c'est d'accord? On se voit là-bas. Salut. Camille, tu peux me rendre un service? Il faut que je sorte pour faire une course et si je reviens pas à temps, alors tu fais l'ouverture du bar. D'accord? Oui, tranquille, vas-y, à plus. T'attends pas encore quelqu'un, j'espère? Ah non, bien sûr que non. J'arrive! Ah. Salut les filles! T'as compris à la fin? Aucune de nous deux ne va te voir ici, dégage! Ah, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça! Je suis juste venu parler travail, quoi, les filles! Même pour ça, on n'a pas besoin de toi, parce qu'heureusement, on a un travail et très bien payé pour ton information! Excusez-moi, mais je ne suis pas venu par plaisir, vous comprenez? Je suis venu à la demande d'Abelardo qui a carrément exigé de vous supplier de revenir. Ah oui? Alors tu peux t'en aller. Et tu n'auras qu'à lui dire que tu n'as pas réussi à nous convaincre. Et voilà. Non, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir lui annoncer ça. En plus, je ne vais pas non plus aller rechercher des danseuses. Au point où j'en suis, je préfère travailler avec des mauvaises connues plutôt qu'avec des bonnes en devenir. Il est gonflé, cet idiot. Non, idiot non, excusez-moi. Mais si vous m'avez dit bien en face que vous ne voulez plus me revoir, j'ai aussi le droit de vous dire ce que je pense de vous deux. Hein? J'en ai bien l'intention. Alors vous allez vite revenir, très vite, parce que dans ce projet, c'est mon prestige qui est en jeu. Parce que soyez bien sûr que je ne vais pas vous laisser me ridiculiser là-bas, devant le tout Cali, hein? C'est pour ça que je veux que vous preniez des cours de ballet. Ah oui? Et qui va nous les donner? Toi? Ah, chérie, lui? Il a à peine appris deux pas de danse dans sa vie et encore, tu vois le truc? Écoutez, c'est pas parce que je ne sais pas faire une pizza que je ne sais pas où en manger une. Ah, ça va, arrête ces bêtises, qu'est-ce que tu veux dire? Que les cours de ballet, c'est la meilleure chorégraphe de ballet de Cali et même de toute la Colombie qui va vous les donner. Un cours rapide et intensif de ballet. Alors soyez prête à préparer vos affaires et allez m'arranger ses cheveux, on se retrouve en bas. Je vous installe à côté de votre épouse et de votre fille comme vous m'avez demandé, d'accord? Attention avec les émotions fortes, entendu? Non, ne vous en faites pas, docteur. Je vais aller bien. Très bien. Prenez soin de lui. Merci, docteur. Allons-y, mademoiselle. Non, ma chérie, fais pas attention à ce que nous a dit le docteur et faisons-nous un gros câlin, veux-tu? Oui, bien sûr, et quoi encore? Non, je veux pas qu'il t'arrive autre chose et encore moins que Leonella ait un petit frère dans 9 mois, non alors? Ma petite, laisse-moi la regarder. Regarde, papa. Dis bonjour. Et des bisous non plus. Des bisous, mais de loin. Mon chéri, tu n'as pas répondu à ma question. Tu ne trouverais pas ça génial que Rosario et Ivan se fiancent? Eh bien, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais vraiment que les choses se fassent dans l'ordre et au fur et à mesure. Et avant tout, je voudrais que le tigre dise à Ivan qu'il est son père, voilà. Ah, mon amour, avec le courage qu'a ton fils, il n'est pas prêt de le lui dire? Eh bien, s'il lui dit pas, c'est moi qui va lui dire. Parce que maintenant, je sais que je peux partir à tout moment. Je ne veux pas laisser des affaires en attente. Et même je pense qu'il est à présent grand temps de devoir prendre des décisions très importantes. Arrête de dire des bêtises, il va rien t'arriver. Pas vrai, ma princesse, pas vrai. Oh, pas vrai. Sérieusement, Rosario, vous feriez un couple parfait tous les deux. Laisse tes préjugés de côté, arrête ces bêtises. Ah, mais est-ce que je peux savoir pourquoi tu tiens autant à ce que nous soyons ensemble? Eh bien, c'est parce que je pense que vous pourriez beaucoup aider le tigre quand il sera fatigué. Tiens, Ivan, ces fleurs, c'est joli. Elles sont pour Luzma? Non, elles sont pour toi. Pour moi? Ouais, pour rester avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour en avoir fait autant pour l'orchestre. Merci. Allô? Léon, oui, bonjour. Oui, je termine 2 petites choses et je viens. Ciao. Bon, qu'est-ce que tu voudrais boire? Dis-moi plutôt ce que tu veux proposer à l'orchestre d'Amadeo parce que je dois retourner au bar après ça.
Mais Yeni, s'il te plaît, arrête de stresser. Ça va pas prendre beaucoup de temps et en plus tu sais parfaitement que tout vient à point à qui sait attendre. Alors prends ton temps et on se prend quelque chose à boire. Un café, un soda, ce que tu veux en fait. Alors, ça vous a plu? Ouais, ouais. C'est bien, maestro. T'es pas un maestro pour rien, sincèrement, je te félicite. Eh, ouais. Hey, c'est vrai, ça vous a plu? Comment, vieux? Tu mets le niveau très haut, la barre bien haute, en fait. Eh, je te dis que si tu continues comme ça, tu vas lui prendre sa place à Ivan, crois-moi. Oh, n'exagère pas, Amadeo, Ivan Joe a son petit talent. Mais pourquoi pas? Ce qui se passe, c'est que le mort, quand il faut qu'on le porte, il devient lourd. Et ici, aucun d'entre nous n'a acheté sa place. Et encore moins maintenant que quelques-uns ont pris l'habitude de manquer aux répétitions. Et c'est pour ça qu'on sonne comme ça. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Faut se réveiller, pas s'endormir. Non, un moment, n'exagère pas non plus. Ivan n'est pas là parce que simplement il est parti à la clinique pour rendre visite à Monsieur Léon. Non, attends un moment. Ici, le seul qu'on va excuser, c'est le tigre parce que c'est sa famille. Oui, monsieur. Mais ni Marisol ni Ivan sont de sa famille, donc ils n'ont rien à faire là-bas. Et on les punira pour ça, c'est comme ça qu'on fera maintenant. Oui, mec, c'est bien. C'est bien. Non, mais si Amadeo chante aussi bien, on pourrait continuer, non? Oui, on va continuer. Ouais. Allons-y, on va jouer une chanson que je veux chanter depuis un moment qui s'appelle Jeudi, d'accord? Vous l'avez sous les yeux. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bon, Madame Alicia, ce dont j'ai besoin, c'est que vous appreniez aux filles les postures basiques du ballet et aussi quelques pas simples, ok? Je veux dire, des pas de base assez faciles, vous voyez, parce que je ne voudrais surtout pas que ça devienne trop compliqué lors du montage de la chorégraphie. Il ne faut pas que quelques pas de débutants, est-ce que tu comprends ou pas? On est des danseuses professionnelles, ne l'oublions pas. Professeur, ce n'est pas à nous qu'il faudrait donner des cours, c'est à d'autres. Parce qu'après avoir dansé avec Millas comme chorégraphe, eh bien mon grand, tu ne lui arrives pas à la cheville. Bon, les filles, ça va, baissez la garde. Et tâchez d'adopter une attitude plus positive, parce que ce qui est important, c'est ce que le professeur va nous apporter à tous. Et même pour nous, les musiciens, parce que regardez, comme vous la voyez, elle a travaillé avec les plus grands orchestres symphoniques de niveau international, d'accord? Donc sans hésiter, elle est la bienvenue pour nous aider à monter ce spectacle. Bien sûr que oui. C'est ça. Vous pouvez commencer, maître. Merci. Allez, faisons-le. Bon. Bienvenue, mesdemoiselles. Nous allons donc commencer ce cours de ballet avec les positions basiques. Musique maestro, s'il vous plaît. Attention, préparation. Nous allons faire la première position. Deux, préparation trois, des bras. Un à l'avant, pas que me quiera. En este sol, que mi corps à l'avant. Un à l'avant, pas que me quiera. En este sol, que mi corps à l'avant. Voilà, chassez, hop, à vous. C'est bien. Santé. Santé. Non, mec, non. Hey, Ivan, ne te fais pas prier, mon garçon. Reviens à la raffinerie. Écoute-moi. Maintenant, mon père va s'occuper de Luzma et de sa fille. Je vais avoir besoin de toi plus que jamais. Non, tu as déjà Rosario qui sait gérer les chiffres, la comptabilité, le calcul. Oui, pourquoi? D'accord, mais bon, c'est que tu peux faire partie de l'équipe. Bien, je suis vraiment désolé pour vous. Mais je te l'ai dit, j'ai juré que j'allais me dédier à la musique à temps complet. Et même plus, je vais pas regarder une seule fille jusqu'à ce que l'orchestre vole de ses propres ailes quand il sera célèbre. Non, c'est vrai. Ça, tu ne le crois même pas toi-même, enfin. Arrête de faire des promesses aussi, idiote. Écoute-moi bien. Reviens travailler à la raffinerie, hein? Et tu sais quoi? Fais attention à Rosario, qui est complètement folle de toi. Mmh.
Non, ça c'est Luzma qui t'a mis ça dans la tête. Non, laisse-la faire ses films. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Messieurs ! Alors, Melao, comment ça va ? Bien, bien, bien. Et vous ? Bien, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites par là ? Rien, je voulais juste vous parler, Ivan. Mais accordez-moi un moment pour féliciter le tigre. Marisol vient de me raconter que ton père s'était sorti d'une mauvaise affaire, et bon... Et que tu viens d'avoir une petite sœur. Léonella ! Ah, Léonella ! Eh bien, félicitations. Oui, enfin une petite sœur. Un peu de différence, oui. Bon, Ivan, on va parler affaires. Après ce premier disque à succès que j'ai eu, je voudrais qu'on enregistre un premier album. Oh, regarde ce que ça donne, ça va marcher du tonnerre. Ça, j'en suis sûr. Vous en pensez quoi ? Sérieusement ? Sérieusement ? Bien sûr. C'est un tube. Il faut absolument qu'on le mette sur l'album. Bien sûr que oui. Quel album ? Eh ben, tu vois, Melao voudrait qu'on commence à enregistrer notre premier 33 tours, t'entends ? Oui, ils veulent. Écoutez ça, hein ? C'est notre premier album, ouais ! Parce que pour la première fois que vous dansez un ballet, c'était vraiment très bien. Sérieusement, aussi bien que ça, maman ? Sérieusement, c'est pas vrai, professeur ? C'est vrai, très bien. Ah, super, alors merci beaucoup. Bon, alors maintenant, vous voyez que c'était pas pour vous pourrir la vie, hein ? C'était pour vous rendre service, vous comprenez ? Ah, c'est bon, Enrique. Arrête un peu de t'envoyer des fleurs. Xiomara et moi, on était convaincus que tu voulais nous virer d'ici, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, il avait tout faux sur toute la ligne, parce qu'il voit bien qu'on est meilleur que ce qu'il croyait. Xiomi, arrête de disputer avec Mulatto. Regardez, vous venez de lui montrer que vous êtes capable de danser sur n'importe quelle musique, et brillamment en plus. En plus, vous avez été tellement belle. Je suis si fière de vous deux. Félicitations, mademoiselle, vous faites un excellent travail. Merci, c'était un plaisir. Ah, bravo, félicitations. Merci, hein. Merci énormément. Merci beaucoup à vous. Et à tout à l'heure. Ah, Alicia, tu restes définitivement, sans aucun doute, la meilleure danseuse, non ? On devrait se voir plus souvent, non ? Tu crois pas ? Pas seulement pour le boulot. Tu aimes les glaces ? Un peu. Allons manger une glace. Quelle espèce d'imbécile, tu vois ce qu'il est en train de faire ? Bien sûr, depuis un moment je vois son manège. Mais ne t'en fais pas, ma grande. On s'est promise de ne pas y porter attention. À partir de maintenant, on va le tenir à distance, le petit coq. Bon alors, à plus tard, je la raccompagne. Salut les filles. Au revoir, professeur. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais, salut, au revoir, à bientôt. Viens, 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 viens. Raconte-moi tout. Mais alors tout sur tout. De quoi ? C'est la prof de ballet que je viens de voir. Non, pas professeur, maître. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Ah ah, c'est moi qui vais lui dire. Parce que c'est à nous qu'elle a donné les cours, n'est-ce pas ? Je comprends pas. Eh, les enfants, tout va bien ou quoi ? On t'a appelé, Luzma et moi, parce qu'on voudrait bien qu'Ivan et toi... Oh non, un moment. Ivan et moi, ça va. Oui, s'il te plaît, Luzma, je t'ai déjà dit que j'avais pas besoin que tu me cherches à fiancer. J'espère m'être bien fait comprendre. Mais pourquoi tu t'énerves pour ça alors qu'on t'a pas appelé pour ça ? Ah non ? Non ! Et alors ? Fais-nous un petit sourire, je te dis. Quoi ? C'est que Léon et moi, nous aimerions beaucoup que toi et Ivan soyez les parrains de la petite. Ah oui ? Non ? C'est ta marraine ? On a deux super morceaux vraiment excellents. Et on peut en rajouter 7 ou 8, 8 de plus, pour en faire un album vraiment fantastique. Ouais. Bonsoir. Bravo. Tout le monde. Salut. Et bonjour. Salut. Je reviens, les amis. Regardez comment il s'en va. Viens, viens. Faut que je te raconte un truc. De quoi est-ce que vous parliez avec Melao ? On va enregistrer notre premier album, chérie. C'est génial. Ah oui ? Eh bien, je viens de parler avec Mike Ries et il vient de me dire que si tu montais ton orchestre, il pourrait te faire la même offre qu'il t'a faite la première fois. Bien sûr, tu sais que ça ne serait pas une mauvaise idée d'enregistrer un disque avec Melao, n'est-ce pas ? Comme ça, tu ne recommencerais pas de zéro, comme tu le dis souvent.
Et ça pourrait te servir comme de publicité et de carte de visite pour ton nouvel orchestre, tu vois. Allô? Bonjour, Rosario. Oui, je te le passe. Ah. Ivan, on te demande au téléphone. Ivan, ah. Rosario. Ah, j'arrive. En fait, je serai toi, mon amour. Je ne douterai pas une seconde. Je sais que tu ne veux plus être l'assistante d'Ivan. Vieux, c'est quoi cette tête? J'avais l'impression que ça te rendrait heureux d'enregistrer ce disque. On va enregistrer un album, ça te fait pas plaisir, mon frère? Bien sûr que ça me fait plaisir, t'inquiète, tout va bien. Ah, je préfère ça. Allô? Ivan, j'ai besoin que tu viennes ici d'urgence avec le tigre. Est-ce que c'est grave? Non, non, rien de grave, mais bon, c'est quand même très urgent. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Comment ça va? Eh bien, pour moi, ne t'en fais pas, je ne suis pas encore parti. Non, mais bon, ça m'a beaucoup inquiété quand on m'a dit que c'était urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je me suis rendu compte que je n'avais pas la vie devant moi, j'ai décidé de ne pas faire traîner les choses. Et avec Luzma, on veut baptiser la petite dès la sortie de l'hôpital. Ah, c'est bien. Ça me paraît très bien, monsieur Léon et madame Luzma, mais... Pourquoi vous aviez besoin de moi en urgence? Eh bien, parce qu'on voudrait que toi et Rosario soyez les parrains de la petite. Vraiment? Et qu'est-ce que tu en dis? T'es d'accord, Ivan? Oh, monsieur Léon, vous n'imaginez pas. Merci beaucoup. Non, vraiment. On dirait que ça ne te fait pas plaisir. Non, non, c'est que... Ce qu'il y a, c'est que je suis sûre que c'est un piège de Léon et Luzma. Arrête ta paranoïa. Maintenant, je vais perdre Ivan définitivement. Et pourquoi? Parce que j'ai vu comment ça s'était passé avec Selmira et ça recommence avec Rosario, l'ex-belle-fille du tigre. Ah oui? Et pourquoi tu es si sûre de ça? Parce que je le connais, je vois comment il la regarde. Imagine-toi que l'autre fois, ils étaient sur le point de s'embrasser, je les ai surpris. Et on a l'impression qu'elle est tout le temps en train de lui courir après, c'est vrai? Alors, comme aujourd'hui, non? Ouais. Ce qui m'enrage, c'est que j'étais sur le point de lui dire tout ce que je ressentais pour lui et cette idiote est apparue comme ça et voilà, j'ai rien pu dire. Enfin, heureusement, finalement, tu sais. Parce que je crois que si je lui avais dit ce que je ressentais pour lui, il aurait ri. Parce que je sais qu'il ne m'a jamais vue comme une femme. En fait, c'est parce que c'est un aveugle. Par contre, moi, je ne suis pas aveugle. Moi, oui, j'ai pu voir cette très belle femme. Et je me suis rendu compte que c'est la plus belle femme du monde. Prends ça. Attends, la plus belle ou la plus maigre? Parce que... on dirait que tu veux me faire grossir. Je vais devenir une jolie grosse alors. Ça peu importe. Même ronde, je serai fou de toi. Toi non plus, t'es pas mal. Allez, un peu de douceur à la vie. Romántica luna, el lucero que le doy, mirar en tu valle, el hombre que yo quiero. Del jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Que los días que
que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, solo siento el pa' que mire, no me voy más ni por miles, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, solo siento el pa' que mire, no me voy más ni por miles. Extraordinaire, messieurs. Léonore, ce spectacle était bien mieux que le précédent. C'est exactement ce que je voulais. Je suis enchanté. Oh, mais quelle joie, monsieur le maire. Félicitations, quelle joie, ma chère. Vraiment. Félicitations, vraiment. Merci. Maintenant, l'étape suivante, c'est que tout le monde puisse le voir. Mais bien sûr, Léonore, écoutez, un spectacle d'une telle qualité doit être présenté sur une scène digne de lui, la plus belle que nous ayons. Et la chose la plus importante, vous savez ce que c'est? Pour moi, il faut que ce soit dans le théâtre municipal. Vous me comblez, monsieur le maire. Ah, vous avez entendu, c'est génial. Félicitations. Extraordinaire. Fantastique. Merci. Extraordinaire. Merci pour mon applaudissement. Merci. Maintenant, je vous présente celui qui vient du bon village du Pacifique colombien. Mon ami, mon sang, mon frère, Ramadi Lopez. Il va vous chanter une chanson. Allez, Nietzsche. Merci, mon frère. Bravo. 1, 2, 3, 4. À présent porter un toast pour Abelardo Cuero, pour le grand musicien et le grand artiste qu'il est. Abelardo, merci. Merci. Merci d'avoir fait de ce rêve, cette folie musicale, une réalité, un grand spectacle, une grande œuvre de salsa. Santé. Merci à toi. Et moi, ce que je voulais proposer, c'est de trinquer à Leonorcita Ebert, hein? Cette amoureuse de la culture, ce promoteur culturel, enfin, une réelle mécène de la Renaissance. En plus de ça, elle n'est pas seulement belle et généreuse, c'est aussi une grande dame. Ah, santé. 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 Oui, allez, à la vôtre. Non mais regarde-moi ça, quel lèche-botte infect, ce type. Il ne manquerait plus qu'il fasse aussi les yeux doux à Léonore. Eh ben justement, regarde-le. Luzma, désolée de t'appeler aussi tard, mais voilà. J'ai eu pas mal de travail et j'arrive pas à me concentrer parce que ça me perturbe beaucoup. Que tu nous aies choisi, moi et Ivan, comme parrain de Leonella avec le seul objectif d'essayer de nous mettre ensemble. Tu te trompes complètement, ma chérie, tu vois. Je t'assure. Celui qui a eu l'idée, c'est Léon, pas moi. Bien sûr, même si je dois t'avouer que oui, j'adorerais que toi et Ivan sortiez ensemble. Ah, Rosario, ça ne te plairait pas le soir, quand il fait froid comme maintenant, d'avoir un homme à tes côtés? Qui te câline, te donne des baisers, qui t'enlace au lieu de rester tout le temps au bureau à t'ennuyer? Oh, Luzma, s'il te plaît. J'ai pas besoin que tu me mettes en couple avec quiconque, parce que j'ai déjà un fiancé et il s'appelle Ludwig. Alors arrête de jouer les entremetteuses avec moi, d'accord? Parce que ça va vraiment finir par m'énerver. Oula! Quel caractère elle a, celle-là?
quiera en esta sal de mi corazón. Sinon, tu sais quoi? Quoi? Je pense qu'on pourrait faire la meilleure cocada du Pacifique. La meilleure cocada du Pacifique? Une combinaison absolument parfaite. Moi et le caramel. Et toi, soleil et mer. Caramel, mer et soleil. Oui. Caramel, mer, soleil. Hé, hey, ma grande, excuse-moi. Tu te rappelles de la question que tu m'as posée dans le magasin de bébé? Oui, oui. Alors, je vais te répondre devant Melao, d'accord? Si tu n'étais pas ma meilleure amie, tu serais la candidate parfaite pour être la mère de mes enfants. Ouais. Ivan? Ivan, viens, je veux te présenter une cliente qui meurt d'envie de te connaître. Vas-y, s'il te plaît. Ah, vas-y. Ah, c'est que définitivement, avec ce corps, je provoque des ravages.